Momo. Chapitre 33. Nous allons parler encore de la marche avec le Seigneur, la marche avec Dieu. Il y a deux hommes seulement dans la Bible. Il y en a plusieurs qui ont marché avec Dieu, mais deux, comme vous le savez, à qui on a dit qu'ils ont marché avec Dieu. N'est-ce pas? Enoch marcha avec Dieu. Noé marcha avec Dieu. Noé était intègre en son temps. La marche avec Dieu. Comment faire pour marcher correctement avec Dieu? Voilà la question à laquelle nous allons essayer de répondre. On va essayer tous ensemble de trouver quelques conseils bibliques qui vont nous permettre de bien saisir la marche, notre marche avec justement le Créateur. Parce que c'est une marche qui peut s'avérer, mes amis, dangereuse. Oh oui. Elle est aussi bien merveilleuse que dangereuse. Dangereuse si on ne respecte pas ses principes. Ce n'est pas une affaire facile que de marcher avec le Créateur. Amen. D'abord, Dieu, dans Ésaïe 55, nous apprend quelque chose de fort. Et regardez Nombre 33, à l'envoi dans Ésaïe. Nous avons Ésaïe 55, versets 8 à 9. Autant, donc il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà, déjà ici nous avons une information importante à connaître. Hein. Il faut connaître cela, c'est important pour vous. Mais tout homme qui veut servir le Seigneur, toute personne qui veut marcher avec Dieu, doit, n'est-ce pas, connaître cette chose, cette réalité-là. C'est-à-dire, tes pensées, toi qui veux marcher avec Dieu, tes pensées ne sont pas ses pensées. Mes pensées ne sont pas ses pensées. Vous savez, nos actions sont les résultats de nos pensées, n'est-ce pas? Donc, nous pensons et nous agissons. Donc, ça veut dire que nos actions ne sont pas toujours les actions de Dieu. Et Dieu dit, mes voix également ne sont pas vos voix. Parce que pour marcher avec quelqu'un, il faut connaître sa pensée. Il faut connaître également ses voix. Voilà, parce que ces voix, ici nous avons l'image de d'abord du chemin que Dieu emprunte. Jésus a dit qu'il est le chemin. Également, les projets que la personne a, sa vision. D'accord? Ses objectifs. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens échouent dans leur marche avec Dieu parce qu'ils ne connaissent pas ses pensées ou parce qu'ils les ont eues pendant quelques temps et puis, hop, à un moment donné, ils les ont perdues. Ils ont saisi ses voies pendant quelques années et puis, à un moment donné, ils sont sortis de la voie de Dieu. D'accord? Et là, on se perd. On s'égare. Et le Seigneur, n'est-ce pas, nous donne une idée précise sur la distance qui existe entre ses voies, ses projets, sa vision et nos voies, nos projets.
Il nous donne une idée précise sur la distance qu'il y a entre nos pensées à nous et ses pensées à lui. Et cette distance-là, justement, d'après Dieu lui-même, est infranchissable. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Waouh! Et l'apôtre Paul, quelque part, dans 1 Corinthiens chapitre 2, surtout le verset 16, il dit que l'homme spirituel, n'est-ce pas, n'est jugé par personne, car il a la pensée de Dieu. Pourquoi il y a autant d'échecs dans nos vies chrétiennes, dans la vie chrétienne? Pourquoi beaucoup échouent-ils dans leur marche chrétienne? Pourquoi beaucoup, mes amis, échouent-ils dans leur ministère? C'est parce que, comme je le disais, à un moment donné, ils oublient, ils perdent de vue la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu pour toi? Quelle est la pensée de Dieu pour ta vie, pour ton couple, pour ton ministère? Quelle est la pensée de Dieu pour ta famille, tes parents? Moi, j'ai la pensée de Dieu pour ma personne. Mais toi, quelle est la pensée de Dieu pour ta personne? Non. Chacun, dans cette marche chrétienne, doit connaître précisément la pensée de Dieu pour sa personne. Tu ne peux pas baser ta vie sur la pensée de Dieu pour ma vie. Tu peux pas baser ta vie sur cette pensée qui est mienne. Et inversement, je ne peux pas baser ma vie chrétienne sur la pensée que Dieu t'a donnée. Alléluia. Éteignez les portables, s'il vous plaît. C'est possible. Mes amis, la vie chrétienne est une vie de marche. Nous sortons d'un point bien défini, nous allons quelque part avec le Seigneur. Déjà, la vie tout court, elle est comme ça. Nous naissons, voilà le point de départ, et nous mourons. Ah oui, c'est une marche. Il y en a, leur marche dure, selon la Bible, durera logiquement, selon Dieu, 120 ans. Mais Moïse, dans Psaume 90, va, n'est-ce pas, recevoir une illumination en disant que c'est 70 ans. Pour les plus forts, les plus costauds, les plus robustes, c'est 80 ans. Donc ça veut dire que nous tendons vers la fin de notre parcours terrestre. Et il est important d'avoir la pensée de Dieu pour ta vie. Alléluia! Nous sommes, bien sûr, dans le nombre 33, mais l'Esprit insiste sur cette réalité, c'est-à-dire le fait de connaître la pensée de Dieu. D'abord pour toi, et la pensée de Dieu de manière générale. Et également la pensée de Dieu pour cette génération dans laquelle Dieu t'a suscité, Dieu t'a créé. Pourquoi Dieu t'a-t-il laissé vivre en ce temps difficile? Pourquoi pas au XVIIe siècle? Pourquoi t'a-t-il envoyé maintenant? Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé, conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc ça veut dire que Dieu nous connaissait avant que l'on ne soit, qu'on occupe ces enveloppes charnelles. Donc c'est comme s'il nous prend dans sa pensée, il nous envoie sur terre. Et pourquoi choisit-il pour toi, pour moi? Pourquoi a-t-il choisi cette période? Donc le manque de révélation concernant la pensée de Dieu pour toi peut constituer un échec. Voilà, donc il y a des véhicules qui sont mal garés, une voiture Seat dans le 93, Citroën dans le 91, BX et Mercedes, donc classe A, et puis Ford dans le 77, Golf dans le 91. Donc les propriétaires de ces véhicules ont prié de les déplacer. Voilà. Donc, la pensée de Dieu. Laissez-moi vous parler de la part du Seigneur, frère, ce soir, s'il vous plaît. Je vois beaucoup de gens qui se lèvent un matin comme ça et qui commencent des églises sans avoir reçu la pensée de Dieu de manière claire et nette et qui commencent à diriger. Mais vous êtes en train de creuser vos tombes pour mourir. Alléluia! Qui t'a donné cette pensée?
quelqu'un m'entend ce soir. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu si vous ne connaissez pas sa pensée. J'ai vu des gens commencer les églises et aller, c'est-à-dire devenir malades, morts. Il y en a même qui sont morts parce que ils n'avaient pas reçu la pensée de Dieu, mais ils ont reçu la pensée des hommes. Le mandat des hommes, l'ordre des hommes, de la part des hommes. Et quand il y a eu les attaques, les épreuves, ils ne pouvaient pas, bien sûr, parler correctement au Seigneur en disant, Seigneur, si tu n'interviens pas, je ne continue plus parce que c'est toi qui m'as appelé. Mais là, ils sont coincés, ces personnes sont coincées parce que ce n'est pas Dieu qui les a mandatés. Parce que Dieu ne leur a pas communiqué sa pensée par rapport à cette œuvre. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas marcher avec moi si vous ne connaissez pas ma pensée. Si vous ne connaissez pas mes voies. La parole nous dit dans Amos, n'est-ce pas, que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'il n'y a pas d'abord une concertation. On doit d'abord s'asseoir et discuter. Vous ne pouvez pas marcher avec Jésus si vous n'êtes pas assis avec lui pour discuter. Moi, je me rappelle dans mon cas, il m'a amené au ciel, il m'a fait signer un contrat pour cette œuvre. As-tu signé un contrat avec Dieu? Juste un exemple. Alléluia. Amen. Ben oui. Frère, moi, quand ça chauffe, je lui rappelle ce contrat. Il est obligé d'agir. Mais, donnez-moi le nom d'une seule personne de la Bible qui a essayé de servir le Seigneur réellement sans avoir reçu sa pensée. Les vrais prophètes. Abraham s'est assis avec Dieu. Il y a eu un contrat. La circoncision, c'était le signe de ce contrat. Et quand Abraham était coincé, il disait, Seigneur, tu as parlé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Et voilà la distance qu'il y a entre nous et le ciel, les cieux. Essayez un peu là. C'est compliqué. Donc ça veut dire que si le Saint-Esprit, qui sonde les profondeurs de Dieu, ne te communique pas la pensée de Dieu, tu vas tâtonner. Tu vas essayer de faire les choses. Bon, on va faire 3 jours à 5 pour que le réveil. Que dalle. Tu vas rentrer dans un système. Tu vas commencer à essayer les choses. Bon, je vais faire une nuit de prière pour que ça marche. Ça va marcher. Pendant que toi, tu vas essayer de faire 40 jours à sec pour que ça marche, moi, je mange. Et ça marche. Alléluia! Parce que le problème, ce n'est pas le jeûne. Le problème, c'est la pensée que Dieu a mise dans ton cœur. C'est ça qu'il faut comprendre. Oh non, j'ai eu un songe, quelqu'un m'a parlé, mais ce songe-là, est-ce que tu l'as éprouvé? Une fois, j'ai eu une vision dans laquelle je voulais déjà partager. Hein. Je grimpais sur une montagne et j'étais dans ma voiture, là, tu sais. Je montais et puis l'ascension était très difficile. Et ma voiture se retournait parfois, mais je continuais quand même à grimper. Et j'arrive au sommet, et il y avait la gloire de Dieu, il y avait beaucoup de gens qui étaient là, et j'étais heureux d'avoir, mes amis, atteint le sommet de cette montagne. Et je me disais, je ne veux plus, je veux rester ici. Et là, le Seigneur va m'apparaître, il me montre une chaîne de montagne devant moi, il me dit, tu dois redescendre et remonter, et ainsi de suite. Je lui dis, non, moi je reste ici. T'as vu comment j'ai souffert pour arriver jusqu'au sommet? Il me dit, si tu restes ici, moi je continue. Je dis, non, je préfère te suivre. Voilà la marche chrétienne. Ce n'est pas une marche droite comme ça, où il y a une ligne, et on voit tout à l'avance. Non. Il y a des hauts et des bas. Ce sont des montagnes. Maintenant, si tu n'as pas la pensée de Dieu, toi tu vas choisir comme Lot la plaine. Arrêtez de fabriquer les choses. Arrêtez de vouloir inventer des systèmes. On ne peut pas aider Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Avant que le monde, quand il a créé le monde, il a dit lui-même, personne n'était là. Qui lui a donné des conseils pour pouvoir créer les océans? Non, il faut que tu mettes ce nuage de ce côté-ci. Non, il faut que tu mettes le pôle sud au pôle nord. Qui était là? On n'était pas encore nés. Il a tout créé, tout était parfait.
Donc ça veut dire qu'il a le conseil à recevoir de personne. Moi, je m'étonne de voir des gens qui souffrent parfois en l'œuvre de Dieu. Je souffre pour que les âmes viennent, mais on ne peut pas souffrir pour ça. Je souffre pour que les guérisons miracles, on ne souffre pas pour ça. Qui fait? Moi, je souffre pour que les gens soient délivrés. Non, mais ce n'est pas toi qui délivres. C'est Jésus qui délivre. Donc, nous sommes des serviteurs inutiles. Oh non, je souffre parce qu'il n'y a pas l'argent, frère. Si dans ton ministère, il n'y a pas l'argent, le problème, c'est toi. Soit tu es dans le péché, ou soit tu n'as pas reçu l'appel, ferme ta boutique. Va faire autre chose. Vous voulez qu'on vous parle comment? Qu'un ange descend du ciel pour dire maintenant il faut fermer? Alléluia! Amen. Frère, je dis au Seigneur, s'il n'y a pas, s'il n'y a plus de finances, frère, on ne fait pas. Quand il y a des réunions comme ça, là, est-ce qu'on fait des appels de fonds? Non. Et les gens soutiennent financièrement. Vrai ou faux? Ah. On met les paniers vers. Moi, quand je finance, moi-même, je m'en vais. Je dis ça, ça va avoir un problème. Je ne vais pas parler de l'argent ou parler matin, midi, soir pour donner. Ce n'est pas ça le ministère. L'esprit qui est là, si moi je marche dans la sanctification, il va vous convaincre. Même si on ne dit rien, en sortant du silo, il va vous dire, allez, allez, donnez ce que je vous ai demandé de faire, de mettre de côté. Voilà le Saint-Esprit. Mais quand vous commencez à gagner, j'avais même pas prévu de parler de ça, mais laissez-moi parler. Mais quand vous commencez à souffrir, non, frère, frère, il n'y a pas d'argent, pour me dire, frère, il y a un péché. Soit il y a le péché, ou soit tu n'es pas appelé à faire ça. Écoute, fais une boutique, ne va pas t'inscrire à la vie. Fais ta vie. Maintenant, là, il faut faire autre chose. Alléluia! À un moment donné, Moïse dit au peuple, il y a assez d'argent. Gardez vos offrandes, on a assez pour construire le tabernacle. Vous avez déjà vu des pasteurs qui disent non, on a assez donné? Gardez le reste. Alléluia! Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous la franchira. On a besoin de délivrer de l'ignorance, frère. On est fatigué d'être complètement manipulé, dépouillé. Vous êtes en train de souffrir inutilement. Dis à ton voisin, il ne faut plus souffrir. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a marché avec Dieu et qui manquait de quoi que ce soit. David dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc s'il y a autant de pasteurs mendiants, c'est parce qu'ils n'ont pas la pensée de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont plus la pensée de Dieu. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais cette semaine, je sens que ça va décoller. On va tous décoller, je ne sais pas, on va aller où, je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que Dieu va remettre un peu les choses à la place encore, bien comme il faut. Parce qu'on fait Dieu menteur. Quand on part, on prêche un Dieu aussi médiocre, les convertis se disent, non, mais ça sert à quoi de se donner à ce Dieu, de donner son cœur à ce Dieu médiocre, tout ça. On voit ces envoyés qui pleurnichent matin, midi, soir, non, il n'y a pas l'argent, non, il n'y a pas de guérison correctement, il n'y a pas les machins, tout ça. Il y a un problème d'être ton voisin, il y a un problème. La pensée de Dieu. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, les pensées du Seigneur ne sont pas les pensées de ton père physique, biologique. Non, mon père a décidé que tu dois faire quoi? Servir Dieu. Ce n'est pas ton père qui décide. Bon, maintenant vous avez compris que pour marcher avec Dieu, il faut avoir ses pensées. Frère, vous pouvez prendre l'avion, aller au 7e ciel là-bas, je ne sais pas, vous n'avez pas trouvé la pensée de Dieu. Vous allez. Dieu est bon. Frère, je dis au Seigneur, si j'ai plus ta pensée, là, tu me tues. Ouais. Oh, pour qu'il le réveille, alors on va enterrer du pain, hein, n'est-ce pas, Azim, et puis on va verser dessus le vin comme la Sainte-Seine, tout ça, et on va prophétiser, va y avoir le réveil. Ça, là, voilà le bricolage. Vous voyez, non, parce qu'ils n'ont pas la pensée de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Ou est-ce que c'est la religion? On bricole parce que comme il n'y a plus, nous sommes à une époque où il y a très peu de gens qui ont la pensée de Dieu. Le problème est là, frère.
Non, frère, la réunion commence à 18h. Il faut être à l'heure, il faut être à l'heure. C'est pas possible, tout ça. La fin, vous pouvez parler le matin, midi, soir. Si vous n'avez pas la pensée de Dieu, les gens seront toujours en retard. Mais si vous avez la pensée de Dieu, si vous êtes dans ses voies, vous n'avez même pas besoin de matraquer les gens, ils seront toujours à l'heure. Vous allez voir que la réunion qui commence à 18h, à 16h, les gens déjà sont là. Vous n'avez rien pigé, frère. Il fait froid, mais vous êtes là, je suis encore. Pourtant, on a eu une semaine chargée. Vous croyez que c'est parce que je suis beau? Non, je ne suis pas beau. C'est parce qu'il y a quelqu'un de plus grave, de plus beau, de plus joli, de plus puissant qui est en nous, frère. Et c'est lui qui attire, qui t'attire. Il y en a un qui n'a même pas prévu d'être là ce soir. Dieu vous a contraint quand même de venir. Vous sentez comme si vous êtes attiré au boulot, le cœur battait tout, 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 tout. Regardez la montre, tout ça, mais les quelle heure, tout ça, parce qu'il y a quelque chose. Dès que vous avez la pensée de Dieu. Alléluia! Il faut garder sa pensée, mon ami. Oh oui, alléluia. Alors, ben parce que tu as la pensée de Dieu, maintenant tu vas marcher avec lui. Écoutez, quelqu'un qui a la pensée de Dieu, vous pouvez plus le comprendre. Parce que la distance est énorme, frère. Va comprendre ça. Déjà, quand on est au pied d'un immeuble qui fait, n'est-ce pas, on va dire 1000 mètres. C'est bien là. Hein? On se sent tellement petit. Oula, c'est haut. Et quand on regarde dans le ciel, les avions commencent à voler haut, hein, à 11 000 mètres d'altitude. On dit, waouh, c'est tout petit. Et bien maintenant, la pensée de Dieu, frère, c'est plus loin que le paradis encore là-bas. Alors, va maintenant la comprendre. Voilà pourquoi quand Dieu appelle quelqu'un et qu'il communique sa pensée, même les hommes spirituels ne vont pas comprendre. Ils disent, non, mais la personne, qui est folle là, c'est pas possible là, mon ami là. Attends, tu dis que Dieu va te demander de. Mais attends, c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Ok, maintenant nombre 33, donc la marche avec ce Dieu. Nous sommes à partir du verset 1er. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Ok, donc cette marche est, bien sûr, est similaire à la marche chrétienne est similaire à la marche, comme vous le savez, avec la marche des Hébreux dans le désert de Sin, le désert de Sinaï. N'est-ce pas? Et ils avaient au moins 46 stations. 46 stations, n'est-ce pas? Et qui avaient été utilisées par le Seigneur pour restaurer, travailler, libérer son peuple de certaines choses. Mes amis, les Hébreux, on l'a vu la dernière fois, sont sortis d'Égypte. Physiquement, ils n'étaient plus à l'Égypte. Mais au niveau de leur mentalité, l'Égypte était encore là. Au niveau du fonctionnement, au niveau du langage, rappelez-vous bien qu'ils étaient nés en Égypte. Oh oui, Joseph avec ses frères, ils étaient à peu près 80 personnes, ils sont arrivés en Égypte. Mais cette génération, toute cette génération était morte, tout le monde était mort. Donc tout ce peuple-là était né en Égypte, comme toi et moi, nous sommes nés dans le monde. On n'est pas nés chrétiens. Même si tu me dis, oui, mais moi, mes parents étaient chrétiens. Oui, mais nous sommes tous nés pratiquement religieux aussi. Donc, ils étaient nés en Égypte, grandis en Égypte. D'accord? Et Dieu arrive, il les délivre par Moïse. Et il devait leur donner le pays de Canaan, leur héritage. Donc, le point de départ, c'était l'Égypte. Et il fallait qu'ils arrivent à Canaan. D'accord? Et là, Dieu aurait pu emprunter un chemin plus court. Qui allait plus. En fait, les Hébreux auraient pu mettre 3 jours seulement pour aller à l'Égypte, comme on l'a vu la dernière fois. À Canaan, pardon. Et Dieu va prendre 40 ans. Vous allez me dire, oui, mais parce qu'ils avaient péché. Dieu savait qu'ils avaient péché. Avant même qu'ils ne soient créés, cette nation, ce peuple. Dieu va utiliser 40 ans. 40 ans pour leur marche. 40 ans pendant lesquels Dieu allait s'occuper de leur formation. D'accord? Pour nous, comme vous le savez, l'Égypte, c'est bien sûr le monde.
marche vers le ciel. Le Canaan, c'est le ciel, bien sûr. La Nouvelle Jérusalem. Écoutez bien l'enseignement. Je suis convaincu que Dieu va tous nous parler. Nous sommes sortis du monde. On est tous... on a reçu l'appel, on a entendu la voix du Seigneur. On est venu à lui. Mais non, parmi ce peuple, donc parmi les Juifs, il y avait des étrangers. Il y avait beaucoup d'idolâtres. Et Dieu se dit, si je les amène de l'Égypte à Canaan en 3 jours, étant donné que là à Canaan, il y avait aussi beaucoup d'idolâtres. Hein. Si je les amène là, ils vont reproduire l'Égypte. Ils vont transformer Canaan en Égypte. Donc, il faut que je prenne 40 ans, 4 dans la Bible. Et le nombre de l'accomplissement aussi, universel. Et 4, c'est le nombre de l'épreuve également. Et il fallait que ce peuple soit éprouvé, soit travaillé pendant sa marche chrétienne. Et pour être éprouvé, donc Dieu prend 40 ans, et en même temps, Dieu va utiliser au moins 46 stations. Vous savez, quand vous roulez dans un... vous conduisez, à un moment donné, il faut vous arrêter à une station-service pour, n'est-ce pas, vous approvisionner. Eh bien, c'est la même chose ici. Alors, remarquez ici. On ne va pas citer toutes les stations, hein, juste quelques-unes. On nous dit que, au verset 2, Moïse écrivit leur marche de station en station d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leur station selon leur marche. Donc là, c'est la marche chrétienne maintenant, la marche chrétienne. Donc on est sorti du monde et nous allons vers le ciel. Mais mes amis, vous allez voir qu'à chaque station, Dieu, n'est-ce pas, était en train de travailler ce peuple à chaque station, comme s'il est réparé. Et c'est exactement ce que Dieu fait. Et regardez la première station. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque. Les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Donc la première station, c'est Ramsès. Ramsès. Bien sûr, là, c'est l'Égypte. D'accord? Donc, quand ils ont quitté leur maison en Égypte, la première station des Hébreux, c'était Ramsès. Toujours en Égypte. Ramsès signifie Dieu soleil. Hein? Le Dieu soleil, le Dieu égyptien. Donc là, il fallait qu'il, n'est-ce pas, qu'il soit délivré de cette divinité. Dieu ne peut pas t'amener dans ton héritage s'il ne t'a pas au préalable, n'est-ce pas, affranchi, délivré. C'est pas possible. Ramsès était un de rois puissants, certainement le roi, le pharaon de l'époque, qui les a beaucoup maltraités. Ramsès veut dire aussi enfant de Ré, n'est-ce pas? Enfant de Ré, le dieu, n'est-ce pas, le dieu soleil, l'enfant de Ré, l'enfant solaire, du soleil. Et ça, c'est la première station. Donc, ils arrivent à cet endroit-là. C'est comme si Dieu leur disait, maintenant, vous allez être délivrés de cette divinité égyptienne. Frère, je suis convaincu que beaucoup veulent servir le Seigneur ici. Je suis convaincu que beaucoup veulent voir autre chose avec Dieu. Je suis convaincu que beaucoup ne veulent plus la religion. Que beaucoup ont vomi la religion. Qui sont ceux qui ont vomi la religion? On va laisser les places aux frères qui sont venus pour la première fois, qui viennent nouvellement, les anciens, si c'est possible. Alléluia. Voilà. Le frère aussi, on va te laisser la place. Vous venez de loin. Les anciens peuvent vous laisser la place. Merci. Alors, voyez, Dieu nous sort du monde. En fait, le Seigneur travaille comme un garagiste. Il te sort du monde et il va te conduire de station en station. Et
ces stations sont utilisées pour, n'est-ce pas, de travailler. Et à chaque station, à chaque pause, il y a des choses enfouies en nous qui sont révélées. Ben oui. Voilà pourquoi vous avez l'impression parfois dans la marche chrétienne que c'est comme s'il y a une pause. Qui vit cela de temps à autre? C'est comme si on se dit, mais attends, je ne comprends plus rien là. Non, c'est des stations. Alléluia. Amen. La Bible, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10 nous dit que l'histoire juive est similaire à l'histoire de l'Église. D'accord? Que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Voilà pourquoi pour bien interpréter le Nouveau Testament, il faut comprendre Moïse. Moïse est une image de Jésus. Le Père a envoyé Moïse à l'Égypte pour délivrer les Hébreux. Le Père a envoyé son fils Yéhoshua pour nous libérer de l'Égypte spirituelle. Maintenant, on est délivré. On n'est pas tout de suite amené au ciel physiquement. Hein? Ah non! Nous allons vers le ciel. Spirituellement, on est au ciel. Mais nous allons vers le ciel physiquement aussi parce qu'on va être enlevé un jour. Mais avant qu'il ne le fasse, il faut d'abord qu'il nous travaille dans les différentes stations. Amen! Le Dieu Ré. Donc, frère, imaginez. Ils ont été délivrés de ce Dieu, mais quand même, quand Moïse s'est absenté dans le désert de Sinaï, le vaudeur est sorti. Aaron dira, mais écoute, c'est pas moi Moïse, hein. J'ai pris ça pour malheur, n'est-ce pas, bijoux, et je les ai jetés dans le feu, et puis le feu a donné naissance, a créé, c'est le feu qui a créé là, le veau, là. Tu vois, c'est pas moi. Même Aaron. Alléluia. Amen. Ok, la deuxième station, c'est laquelle? Donc là, ils ont été délivrés du dieu soleil égyptien, le dieu Ré. Ils partaient de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque. La Pâque signifie quoi? La Pâque, c'est quoi? Vous avez la réponse. Quelle est la signification de la Pâque? C'est une fête qui parle de quoi? De la délivrance. Alléluia! Ben oui, le lendemain de la Pâque. Voilà, délivré. Et on nous dit, les Égyptiens enterraient ce que l'Éternel avait frappé parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Ah, j'aime le Seigneur. Amen. Non seulement qu'il a frappé les Égyptiens, mais en plus de ça, il a frappé leur Dieu. Amen. Et je suis convaincu qu'il y a toutes ces divinités, la Bouddha, Amen. Toutes ces divinités bizarroïdes, là, tout ça, frère. Avant l'enlevement, Dieu va de plus en plus servir des frères et sœurs avec une onction nouvelle pour appeler le jugement de Dieu, frère, au nom de Yahushua. Alléluia! Et ces religions sauront, en tout cas, il y en a qui sauront qu'il y a une différence entre nous et eux. Voilà. Alors, les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Sukkot signifie, n'est-ce pas, cabane. Cabane, d'où la fête de Sukkot. La fête, n'est-ce pas, de Sukkot. La fête de Tabernacle. Donc, cabane. Donc, ils sortent de Ramsès, ils arrivent à Sukkot, et là, c'est le repos, un peu. Le repos, juste pendant quelques temps. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu marches sans t'arrêter, tu vas mourir. Si tu ne veux pas t'arrêter, il t'arrêtera lui-même. Ben oui, les stations sont faites pour cela. L'apôtre Paul, Dieu l'a appelé, il l'a amené dans une station terrible, la prison. Vous comprenez? Alléluia. Dieu l'enferme en prison. Il y a des difficultés que Dieu permet dans nos vies, alors que nous le craignons, c'est tout simplement des stations. C'est pour nous arrêter. Il peut t'envoyer en vacances comme Nebuchadnezzar à l'hôpital. Il est souverain, frère. Enfermé dans ta chambre d'hôpital, là tu vas commencer à réfléchir un peu sur les choses, à compter les étoiles. Oh Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux. Au nom de Yahushua, je bénis ton nom. Alléluia. Amen. Donc là, Sukkot, là, c'est un peu la. Alléluia. Amen. La cabane, donc là, c'est la maison un peu là où tu vas être réparé encore un peu. Nanana, parce qu'il y en a qui étaient pressés certainement. On veut tout de suite Canaan, tout de suite yo, mon coco. Si je te laisse entrer tout de suite là, c'est le même principe que Dieu utilise, hein, même dans le domaine du mariage. Hein. Tu vois une femme qui est belle, ah, je vais l'épouser. Non, Dieu va d'abord te travailler. Oui, l'amour est là, mais l'amour ne fait pas le mariage.
Alléluia. Oui, les sentiments sont là, mais Dieu sait que s'il n'y a que les sentiments, si ton caractère acariâtre, irascible, ton caractère de cochon n'est pas ôté, ce caractère-là, tu as les sentiments que tu as. Alors il va d'abord te changer, et pour te changer, il utilise des stations, des pauses. Alléluia. Amen. Et quand Dieu nous, vous savez, même le monde nous enseigne. Vous roulez, vous êtes sur la route, tout ça. Imaginez, vous êtes la voiture. Votre vie. Vous savez, les gens du monde nous ont copié. Ils ont copié la Bible. L'intelligence que les hommes ont, là, la technologie, là, c'est la Bible. Ils ont regardé l'homme. L'homme, c'est la voiture. Amen. L'essence, n'est-ce pas, c'est le sang. Tout simplement. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, non? Alléluia. Amen. Les phares, c'est la parole de Dieu, les yeux. C'est tout. Le moteur, c'est le cœur. Les roues, ce sont les jambes. Le pont d'échappement, mais tu dois dégager. Vous comprenez? Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Dieu est grand frère. Oh, merci Seigneur parce que tu nous enseignes. C'est monsieur qui fabrique les voitures, je crois, intelligent, alors c'est dans la Bible. Tout est la Bible. Maintenant, la station service, c'est Dieu lui-même. De temps à autre, on va s'approvisionner parce qu'on n'a pas assez de jus. Vous voyez comment ça fonctionne? Et quand il y a un peu de panne, eh bien, Dieu est le mécanicien. Il utilise les hommes comme des réparateurs. Nous autres, là, les prédicateurs, pour te réparer un peu, perfectionner les saints. Voilà, catartismos en grec. C'est ça la parole de Dieu. Donc, on peut parler aux gens qui fabriquent les voitures, on peut leur montrer la Bible. Les parfumeurs, Jean-Paul Gaultier, tout ça, on peut leur dire c'est dans la Bible. Dieu le premier parfumeur. Amen. Tout ça c'est écrit. Les docteurs, les médecins, Dieu le premier anesthésiste, c'est ça, vous le savez, n'est-ce pas? Il a endormi à Darvay, quel produit? La parole. Il a opéré, il a pris une côte. Frère. La transplantation, la douceur d'organes, c'est dans la Bible, frère. Amen. Mm-hmm. Amen. Ève est la première personne à avoir reçu un organe. Problème d'argent. Jésus est trop fort, frère. Alléluia! Amen. Bon, c'est bon, vous avez compris qu'il est fort. Et nous pouvons vraiment encore le glorifier parce qu'il est trop fort. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Regardez, ils partirent des tables, verset 7, se détournèrent vers Pi Hahiroth vis-à-vis de Baal Tsephon. Et campèrent devant Migdol. Voilà. Ils partirent de devant Pi Hahiroth et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert des Tams et campèrent à Mara. Donc on saute les autres stations, on arrive à Mara. Mara. Ouh, Mara. Vous avez vu le chemin qu'ils ont emprunté? C'est le désert. Donc la marche chrétienne est une marche de désert. C'est dans le désert. Dans le désert, il fait très chaud. Il y a des serpents venimeux. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Pourquoi? Parce que dans le désert, frère. Maintenant, quand ça chauffe un peu, quand il y a trop de chaleur, on commence à pleurer. Oh, on ne comprend pas la vie chrétienne, il y a beaucoup de souffrance. C'est normal. C'est dans un désert. Ils arrivent à Mara. Mara, frère. Signifie littéralement amertume. Dis à ton voisin, amertume. T'as jamais été amer. Hein. T'as pas compris que depuis que t'es converti, t'es plus dans l'amertume qu'avant ta conversion. Avant ta conversion, tout était cool, tout le monde était pas de problème. Mais depuis que t'es converti, là, t'es amer. Ça arrive. Hein. Et là, mes amis, Dieu est magnifique, frères et sœurs. Ils arrivent à Mara et là, frère, c'est le manque d'eau. Il n'y avait pas d'eau à Mara. Et là, le peuple, vous savez ce que le peuple a fait, non? Le peuple a fait quoi? Ah, le peuple a commencé à murmurer. Ah non, mais il n'y a pas d'eau. C'est pas normal, Seigneur, tout, tout, tout. Ils ont énormément, énormément murmuré contre le Seigneur. L'amertume. Ça veut dire que Dieu va t'amener quelque part. Nous sommes dans Exode 17. Est-ce que quelqu'un peut nous lire du verset 1er?
au verset 7. Exode 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Refidjim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et il dit: donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils ne l'appuieront. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Alléluia. Voilà. Mara, à Mara, l'eau était... Il y avait de l'eau. Mais l'eau n'était pas douce. D'accord? L'eau n'était pas douce, frère. Il y avait tellement... C'est-à-dire, le peuple était de l'amertume. On va prendre encore Exode 15, 23. Exode 15, le verset 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Continue. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim. Oh, c'est bon, merci. Regardez ici. Et alors, marche. C'est Dieu qui a promis à Abraham de libérer son peuple, sa descendance, et de l'amener à Canaan. C'est Dieu qui a dit cela à Abraham dans Genèse 15. Ce peuple n'a pas demandé à quitter l'Égypte. Non, c'est Dieu qui l'a décidé. Tout comme ce n'est pas toi qui a demandé à être créé. C'est Dieu qui t'a créé. Voyez, maintenant ce même Dieu qui amène ce peuple de l'Égypte à Canaan permet les difficultés tout au long de leur parcours. Ils arrivent à Mara. On nous dit que l'eau était amère, l'eau n'était pas douce. Le peuple crie à Dieu, crie contre Moïse, murmure. C'est pas normal. Tu aurais dû nous laisser en Égypte. Nous sommes en train de mourir de soif. Voilà la difficulté que Dieu a permise ici. C'est Dieu qui l'a permis. Il est souverain. Mais à chaque fois que Dieu permet une difficulté dans notre vie, c'est pour nous amener premièrement à la délivrance et deuxièmement, c'est pour recevoir, pour nous donner une nouvelle révélation de sa personne. Dieu, dans cette citation, Dieu a révélé l'état des Hébreux. Ils étaient amers. Leur cœur était amer. Dans la marche ici, Dieu révèle l'état des cœurs. Oh oui. Oh non, est-ce que c'est moi qui suis comme ça, Seigneur? Oui, c'est toi. Murmure. Oh non, depuis que je prie, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Depuis que je prie, qu'est-ce que j'ai reçu? Oh Seigneur, je te donnais ma jeunesse, ma vie, rien à faire. Et regardez, Dieu dit à Moïse: prends un bout de bois. Frère, Dieu prend les choses de ville. Prends un bout de bois, jette-le dans l'eau. Et l'eau sera assainie. Frère, quelle parole! Le bout de bois. Le poteau de la crucifixion. Et tu verras ce bois qui va purifier l'eau. Vous avez déjà vu ça où? Alléluia. Donc, dans la vie chrétienne, on peut être amer. L'amertume. Allons voir dans Hébreux.
chapitre 12, verset 15. Quelqu'un peut le lire là, rapidement? On va étudier juste 3 ou 4 citations. Et puis après, on va prier. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, qui sont des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des quoi? Des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Waouh, l'amertume. C'est terrible. Donc, celui qui est dans l'amertume se prive de la grâce de Dieu. On peut être dans l'amertume parce qu'on se sent condamné, brisé, alors qu'on n'a rien fait. D'ailleurs, il faut veiller parce que la vie chrétienne, c'est comme ça. On est acculé, traité de tout le nom. Si on se prive de la grâce de Dieu qui te protège de toutes ces paroles dures, eh bien, on devient amer. On se laisse pourrir par toutes ces paroles. Et puis, on commence à condamner Dieu. Et on peut même repartir dans le monde. Et l'amertume pousse des rejetons. Ça veut dire que, vous savez, dans Hébreux 12, là-bas, surtout verset 16, et l'auteur dit, à ce qu'il n'y ait aucun débauché, n'est-ce pas? Comme Ésaü. Donc l'amertume peut t'amener à la débauche. Vous voyez, dans ta marche chrétienne, tu subis des attaques, le rejet, tu aides les gens, et les gens se retournent contre toi, les gens te trahissent, tout ça, n'est-ce pas? Et tu peux tellement blesser que si tu ne te focalises pas sur Dieu, si tu ne t'arrêtes pas, si tu ne puises pas dans la grâce de Dieu la force nécessaire pour n'est-ce pas, vivre dans la sanctification, pour, n'est-ce pas, se parer de toutes ces paroles de condamnation, de toutes ces blessures, de la trahison, eh bien, si tu ne te protèges pas avec la grâce de Dieu, eh bien, tu vas être tellement amer et l'amertume va pousser des rejetons, les murmures, les critiques, la haine. Et vous allez voir des chrétiens dans la même assemblée qui commencent à se haïr comme pas possible, qui ne se supportent plus. Là, c'est l'amertume. Et l'amertume ouvre la porte à la débauche, aux critiques, aux murmures, à la médisance, à l'orgueil, à la cupidité, au mensonge, au divorce. N'est-ce pas? L'amertume. Une personne amère, une femme amère, une femme qui a été écrasée par son mari, ou inversement, un homme dont la femme n'a pas été, n'est-ce pas, sage dans sa relation avec lui, n'est-ce pas, qui n'a pas été correcte dans sa relation avec son homme, l'homme peut être tellement amer, il peut commencer à sortir ailleurs, aller voir ailleurs, parce que l'amertume peut te pousser même au suicide. Une personne amère peut se dire, moi j'en veux plus, la vie ne m'intéresse plus, alors je me suicide. Vous voyez l'amertume? L'amertume pour des rejetons, frère. Et c'est exactement ce que les Hébreux ont vécu ici. Ils étaient tellement amers qu'ils sont rentrés dans les murmures, dans la rébellion contre Dieu. Pourquoi beaucoup de gens sont-ils tombés dans la rébellion? C'est l'amertume. L'amertume. Un cœur amer est un cœur qui peut faire des dégâts incroyables. Et c'est vous comprenez maintenant pourquoi Dieu avait permis, n'est-ce pas, ces 46 stations, c'est pour libérer les Hébreux de toutes ces imperfections. Une personne qui subit le racisme dans son église locale peut devenir amère et changer son message. Une personne amère, si elle n'est pas délivrée de l'amertume, si elle continue à prêcher, elle va détruire, elle va tuer. Alléluia. Et la solution pour l'amertume, c'est l'eau de la parole, qui doit te soigner, qui doit enlever toutes ces blessures. Parce que là, et Dieu leur propose de l'eau douce, justement. Dieu a scellé l'eau par Moïse et la leur donne. Et ensuite, il va se révéler ici comme étant Yahvé Rapha. C'est-à-dire le Dieu qui guérit. Pourquoi? Parce que l'amertume est une blessure. Ce peuple était un peuple blessé.
blessés. Bien qu'étant sortis de l'Égypte, mais ces Hébreux étaient encore blessés. Et à chaque station, Dieu devait les réparer. Dieu devait les soigner en profondeur. Et ils devaient recevoir une nouvelle révélation du Créateur. Et là, à cet endroit-là, comme il y a eu de l'amertume qui s'est manifestée, eh bien, il fallait également que Dieu se révèle à eux comme étant Yahvé, n'est-ce pas, Rapha, le seul capable de guérir. Alléluia! Amen. Quelqu'un m'entend-il ce soir? Amen. Frère, ne sous-estimez pas la puissance de l'amertume. Une femme qui a subi des violences sexuelles dans sa vie peut être tellement amère vis-à-vis de son violeur, de ses parents, de son entourage, qu'elle peut, n'est-ce pas, devenir une prostituée. Elle peut devenir lesbienne. Un homme qui a été violé peut devenir homosexuel. Vous savez, beaucoup d'homosexuels, beaucoup de lesbiennes, mes amis, quand vous écoutez ces personnes-là, vous allez vous rendre compte qu'elles ont subi des violences sexuelles, elles ont subi beaucoup d'injustices, donc du coup, elles se tournent vers, n'est-ce pas, la débauche. Elles plongent, elles se vautrent dans la débauche, parce que quelque part, il y a eu l'amertume. On a vu le cas d'une sœur, la dernière fois, qui est avec nous, mais ce Seigneur Dieu l'a délivrée, qui a été violée par son père. Et vous avez vu comment elle était possédée la dernière fois, alors il y a deux mois de cela. Comment elle a pu être possédée par ce démon de débauche au point de devenir, de vivre une vie de lesbienne. N'est-ce pas? L'amertume. L'amertume peut te pousser à débiter des paroles terribles. Alors, frère, Dieu devait, n'est-ce pas, soigner en profondeur ce peuple, parce qu'il devait posséder un grand héritage. Mais il ne pouvait pas le posséder sans passer par la guérison, sans passer par le nettoyage, la délivrance, la restauration. Un homme dont la femme s'est méconduite, cet homme, même s'il y a une réconciliation, n'est-ce pas, apparente, peut être toujours amer. Et l'amertume peut nuire à sa relation avec son épouse. Et là, il y a besoin, frère, de la révélation de Yahvé Rapha. Dieu dit, je suis celui qui te guérit. Donc ce peuple n'était pas malade physiquement, mais au niveau de, sur le plan moral, ce peuple était malade. Alléluia! Amen. Gloire à Dieu! Donc voyez, ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Élim. Et on dit qu'il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Donc après les murmures, après, n'est-ce pas, l'amertume, Dieu, n'est-ce pas, donne du repos à son peuple. Élim signifie palmier. Donc, Dieu, n'est-ce pas, palmier. Donc là, il y a de l'huile, hein, n'est-ce pas? Donc là, eh bien, Dieu apporte de l'huile. L'huile guérit, n'est-ce pas, nos cœurs. L'huile soigne, n'est-ce pas? L'huile de palme, effectivement, et voilà. Soigne, guérit les blessures. Même les blessures physiques. Alléluia. Amen. Et là, on nous dit qu'il y avait, n'est-ce pas, il y avait à l'île 12 sources d'eau. 12 sources d'eau. Donc Dieu, maintenant, leur donne 12 sources d'eau. Hein? Ils pouvaient s'abreuver à ces 12 sources, donc les 12 tribus d'Israël. Amen. Vous voyez? Mais il ne fallait pas qu'ils s'arrêtent à ces sources. Ça veut dire que dans ta marche chrétienne, Dieu peut utiliser quelqu'un pour te bénir financièrement. Mais ne t'accroche pas à personne. Parce que la source véritable, c'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Ils auraient pu se dire ici, on reste à Élim, on reste à Élim. Dieu dit, non, 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 non. Changement de programme. Vous savez pourquoi il y a autant de religions? C'est parce que les gens s'arrêtent aux stations. On va le voir. Ah non, moi, je trouve que Élim ici, c'est bon pour moi. Je reste ici. Religion. Mais
Dieu continue. Hein? Alléluia. Ah non, non, là, il y a trop de souffrance, moi. Hein? Comme Pierre, sur la montagne de la transfiguration, dans Matthieu 17. Il dit, Seigneur, il est bon que nous restions ici. Je dresserai, moi, Pierre. Même si je ne suis pas un bâtisseur de tente, mais c'est pas grave. Mais je vais m'improviser bâtisseur de tente et je vais dresser trois tentes. Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Nous, nous allons dormir dehors, c'est pas grave. Mais laisse-moi créer trois dénominations. La dénomination de Yahushua, la dénomination de Mosaïque et la dénomination d'Élie. Le Seigneur dit, Alléluia. Frère, depuis que j'essaie de servir le Seigneur, je me rends compte à quel point il est le Dieu de station. À chaque fois que certains collaborateurs me disaient, on reste ici, Dieu disait, non, 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 on casse tout. Il faut tout raser. Mais oui, mais c'est du désordre, frère. Ce désordre-là est bon pour nous. Et salutaire. D'accord? Ok? On peut continuer? Alléluia! Gloire à Dieu! Ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Sin. Le désert de Sin. Sin, mes amis, alléluia, c'est la huitième station. Sin signifie épine. Épine. Oulolololololol. Les épines, frère, représentent les soucis. Allons voir dans Luc chapitre 8. Il n'y a rien de nouveau sur la terre, n'est-ce pas? Il n'y a rien de nouveau. Ce qui existe a déjà existé. Ok. Luc chapitre 8, nous lisons à partir du verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, et il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et les touffèrent. Ok, allons voir la signification des épines maintenant. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu parler la parole, s'en vont et la laissent étouffée par quoi? Les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Vous voyez les épines, la signification des épines. Donc, soucis, inquiétude, plaisir de la vie. Les richesses. Donc, ça veut dire que le peuple hébreu était encore lié à ces choses. Parce qu'ils ont vu des riches en Égypte. Alors là, à cette station-là, Dieu va les délivrer maintenant de, en fait, du matérialisme. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le matérialisme, à la base, est un démon. Donc, ce démon n'a pas commencé, mes amis, avec... n'est-ce pas, avec nous, les épines. La Sulamite se définit comme étant, n'est-ce pas, le Narcisse de Saran, au milieu des épines. Vous vous rendez compte, frère? Nous marchons avec le Seigneur, nous avançons avec lui, mais dans nos cœurs, là, il y a tellement de choses. Oh oui, mes amis, oh oui, oh oui. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Seigneur, Seigneur, je veux avoir un compte bancaire bien provisionné. Le Seigneur te dira, mon enfant, la foi. Oui, non, 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 la foi, là, c'est compliqué, la foi, à l'heure actuelle. Pour... non, c'est pas possible, la foi. On ne peut plus marcher par la foi aujourd'hui. Si, frère. Si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les tentations, des pièges pernicieux, n'est-ce pas? Oh oui, qui plongent les gens dans la ruine. Les épines. Vous croyez que, frère, que le Seigneur, l'ennemi va vous laisser tranquille? Mais il y a des choses en nous, frère. La chair est remplie de choses. Oh oui. La chair aime le monde.
Parce que la chair, elle sait qu'elle va rester sur terre. C'est ton esprit qui va partir. Donc la chair va chercher toujours désespérément à t'entraîner vers le bas. Bah oui. Alors Dieu va t'amener à une station où il va devoir te réparer. Oh oui, frère. Écoutez, des jeunes sont venus me voir. Ils ont dit, on va te prendre une belle voiture. Alléluia, gloire à Dieu. Au départ, je ne voulais pas. Après, j'ai dit, oh Seigneur, merci. Mais je vous assure, après. Dieu m'a amené ici, là. Viens un peu, là. Viens ici, là, mon fils. Oui, papa. Alléluia. Taillade. Bah, aïe. Frère. Je n'ai jamais été autant traumatisé par un véhicule. Ce véhicule. Parce que chaque matin que je me levais, je me disais quelle va être la nouvelle panne aujourd'hui. Alléluia! Il y a des véhicules là, quand vous montez dedans, que vous ne vouliez ou pas, les épaules montent d'elles-mêmes. C'est fait exprès. Vous êtes là, chrétien de lunettes noires. Je suis le gros. Frère, on va t'amener au repos. Il y a ton voisin à la station de réparage. Alléluia. On va te réparer. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que tu peux bouder. Mais un temps viendra quand il va t'éclairer, tu vas dire, Seigneur, vraiment, j'étais ignorant. Oh Seigneur, tu es grand. Alléluia. Oui, quand je suis dans, frère, 218 chevaux. C'était pas une masse à voir. C'était, frère, sur l'autoroute à Bruxelles, frère, en Belgique, 200. Oh, chevaux. Je dis, ah, le démon de mort t'attend quelque part, tu vas voir. Seigneur, c'est pas possible. Il fallait la brader rapidement. Il fallait trouver un client. Frère, j'étais traumatisé parce que je l'ai mis sur internet, sur plusieurs sites. Alors il faut. Allez, vas-y, j'en veux plus. Et quand elle était vendue, j'étais tellement en paix, tranquillos. Frère, maintenant je vis. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur. Maintenant, frère, alléluia. C'est quand t'es dedans, tu vois les gens te dépasser. Tu dis, ah, cette voiture ne peut pas me dépasser. Jésus dit, orgueil. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Il faut qu'on arrête de nous mentir à nous-mêmes, frère. Alléluia. Veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair ou la discipline? Dieu n'avait pas la même chair que nous. Mais quand il a pris la décision de prendre la même chair, il a pris la même chair que toi. Il s'est rendu compte que la chair était faible. Ah oui! Il y a ton voisin signe. Signe encore. Encore signe. Ah, les soucis. Le Seigneur a dit de vous inquiéter de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins et vos supplications à Dieu. Dieu dit aux enfants d'Israël, ils ont dit, Seigneur, nous avons besoin du pain. S'il te plaît, le pain. Dieu dit, ok, je vous donnerai du pain. Alors ils se disaient certainement qu'ils allaient avoir des provisions. Tout. Dieu dit, non, pas de provisions. Vous allez avoir la manne juste, la manne quotidienne. Il ne fallait pas la garder plus d'un jour parce que sinon elle allait pourrir. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu fasses chaque jour que tu es devant son trône pour dire papa, me voici. Il aime qu'on soit dépendant de lui. Mais si tu as une bonne provision là-bas, là, Dieu, tu vas le mettre dans un coffre. Ah oui? Donne-nous notre pain mensuel. Chrétien jusqu'à la mort. Vous savez, quand on sort de l'Égypte, hein, on va vers Canaan. Quand on arrive à Sile, Dieu dit maintenant, ici, il faut qu'il y ait quelque chose de changé. Non. Tant que tu ne seras pas délivré de cette épine, tu ne partiras pas de cette station.
Tu peux rester 20 ans. Tu peux même mourir là. Ah oui. Maintenant, avec ta vieille voiture là, qui est normale, hein. Maintenant, quand tu te fais passer par des grosses berlines et tout ça, là, tu n'essaies même plus de. Hein? Parce que de toute façon, même si je sais, ça ne va pas suivre. Alléluia, alléluia. Oh oui, je sais, oui, je sais. Oh oui, je sais qui se levera. Je sais que je vais y arriver. Voilà. Non, Dieu est magnifique, je vous aime. Alléluia. Beaucoup pensent que parce qu'ils ont, ils manifestent une onction, qu'ils ont tout compris. Non, tu vas te mettre des arrêts. Bon, je disais tout à l'heure qu'on est en restant dans des véhicules, n'est-ce pas? Maintenant, le code de la route est comme la Bible. Donc on marche, il y a des stops. À un moment donné, tu vas avoir un stop, là, il faut. Voilà. Tu vas à gauche, à droite. Et bon, tout est derrière, tout est devant, tout est OK. C'est ça, la vie chrétienne. Combien sont-ils dans les soucis ici? Il y en a qui sont tellement dans les soucis qu'ils ont des cheveux blancs. Oh, Seigneur, vraiment, comment je fais pour pouvoir manger? Mais si tu ne manges pas, où le problème? Seigneur, mais tu t'inquiètes plus de ta vie que de Dieu. Le Seigneur s'occupe de toi. Fais-lui confiance. Alléluia! Quelqu'un s'occupe tellement de sa vie, s'inquiète tellement pour sa vie, qu'il a amassé, et puis un jour il se lève, il dit, bon voilà, mon âme, sois dans la joie, parce que tu as amassé pour le reste de ta vie. Depuis cette nuit-là, cadavre. Il est mort. Et quand tu meurs comme ça, tu laisses autant de richesses. Tu vas voir les tontons qui vont débarquer de nulle part. Moi je viens, ah, je suis dans ma tente. Comment tu sors d'où, tente, d'où? Ben oui. Là, maintenant, toi, tu es en train de te bouffer par les verres. Et ta richesse là en train de. On est en train de se. Enfin, tout est vanité. Alléluia! Amen. Qui se trouve au niveau de Sine là? Qui est au niveau de la station Sine? Ici, les épines. N'ayez pas honte, hein? Alléluia! Amen. Gloire à Dieu, Dieu est magnifique, n'est-ce pas, mes amis? Alors, on va prendre encore. Combien de stations? Deux ou trois? Bon, trois stations après, au moins on arrête. On va passer à autre chose. Merveilleux Seigneur. Alléluia. Alors, ils partirent de Lim, campèrent près de la mer Rouge. Ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Sin. Ils partirent du désert de Sin et campèrent à Dofka. Hein, Dofka qui frappe. Donc là, ils étaient bien frappés. Hein, et ils partaient de Dofka et campèrent à Alush. D'accord? Alush, c'est tumulte. Alors là, c'est des problèmes de tumulte entre eux. Hein, donc ça arrive hein, dans la marche chrétienne qu'il y ait des tumultes parmi nous. Hein. Donc, oui, t'as vu comment cette soeur me regarde? T'as vu comment ce frère me regarde? Mais vraiment, t'as vu comment il m'a parlé? Ça, c'est la vie chrétienne. Les tumultes. Donc c'est normal, c'est les stations. Alléluia! Gloire à Dieu, Dieu est bon, amen. Voilà. Et ils partirent d'Alush et campèrent à Riphidim, où le peuple ne trouva point d'eau. Riphidim. Riphidim veut dire repos. Donc de temps à autre, parce qu'on a beaucoup souffert, parce qu'on a beaucoup pleuré, alors Dieu va nous donner un peu de repos. Mais dans le repos, on nous dit qu'il n'y avait pas d'eau. Alléluia! Frère, attendez. Comment Dieu, qui les aime, Dieu qui est amour, peut-il permettre autant d'épreuves? Hein? Comment? Ah non, Dieu m'aime tellement que je ne veux pas souffrir. Non, je ne souffrirai jamais. C'est faux. Je ne manquerai de rien. Frère, tu vas souffrir. Je crois qu'on va m'oublier de cette chanson. Oui, je veux souffrir. Amen. Alléluia. Ils partirent de Riphidim et campèrent dans le désert de Sinaï. Donc, Sinaï signifie aussi épineux. Comme vous avez vu, épineux. Donc c'est une. C'est à chaque fois, c'est des épreuves, c'est des difficultés, ce n'est pas évident. Et c'est à Sinaï
qui vont recevoir la Torah. Dis à ton voisin la Torah. Alléluia. La révélation, la Torah est la grande révélation que ce peuple ait reçue. Le livre saint. Vous voulez avoir le message pour s'attendre à la fin, mais vous ne voulez pas souffrir, vous n'aurez que dalle. Il n'y aura rien. Oh frère Chara, moi je veux que tu m'utilises vraiment pour. Frère! Prépare tes mouchoirs parce que tu vas pleurer. Alléluia! Oh la vie chrétienne. C'est pas une vie facile, hein? Je suis convaincu que beaucoup se disent, oh vraiment je regrette. Un tout petit peu. Parce que je savais qu'il y avait un temps de combat, j'allais attendre juste au dernier moment pour pouvoir me donner. Mais Dieu est tellement bon qu'il t'a attrapé encore. Alléluia. Donc, si tu comprends véritablement la personne de Yahushua, tu te diras, cette souffrance, c'est une grâce pour moi. Parce que Dieu me fait participer à sa souffrance. Donc, c'est une grâce. Alléluia. Ok. Je vais développer encore une station là, bien comme il faut. Alors, merveilleux Seigneur, il partit du désert de Sinaï et campait à Kibro, à Tava. N'est-ce pas? Et à Kibro, à Tava, frère, signifie littéralement tombe de convoitise. Tombe de convoitise. Alors là, Dieu va révéler à ce peuple un autre défaut, la convoitise. Ah oui, tombe. Kibro Atava signifie littéralement tombe à convoitise. Donc ça veut dire que c'est là que la convoitise devait être enterrée. D'accord? C'est pour cela que la parole nous dit, on va prendre 1 Pierre 2, 11, quelqu'un peut nous le lire rapidement. Le chapitre 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises, frère, un vrai chrétien subit des attaques par rapport à la convoitise tous les jours. Qui vit cela? Tout le monde, hein? Oulolololololololol, des attaques. Et Dieu avait prévu des tombes ici, Kibro Atava, pour enterrer la convoitise de son peuple. Vous allez vous rendre compte que depuis que vous priez, les filles commencent à courir après vous. Alors qu'avant, on ne vous faisait pas la cour facilement. Mais maintenant, c'est comme si tous les hommes, n'est-ce pas ma soeur, t'appellent. Les ex ressurgissent. Tu te dis, mais attends, quand même, depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai commencé à lire la Bible, mon ex qui sort de nulle part, et puis il me retrouve sur Facebook. Voilà pourquoi il faut fuir Facebook. Alléluia! Vous croyez que Satan va vous laisser tranquille comme ça? C'est trop facile. Ah non! Et voilà qu'une fille que tu avais du mal à, n'est-ce pas, à... Hein? Voilà. Et puis, toujours le lendemain, elle devient facilement accessible. Oh, Jacques, eh bien, tu sais ce qu'il y a une soirée, est-ce que tu peux venir? Quand on était le monde, on n'était pas conscient de la convoitise, vrai ou faux? On ne savait pas ce que c'est la convoitise. Pour nous, c'était normal de convoiter. C'était pas... On ne savait même pas dire à un païen, tu convoites, je vais dire, attends, mais c'est normal. C'est ma vie. T'as vu comment la t'as vu comment la meuf là, hein? La femme. T'as vu comment elle est. Eh bien, le jour où tu te convertis, quand tu as une faille, alors il y en a qui viennent me voir, frère Chora, je suis possédé, prie pour moi. Non, t'es pas possédé. Ta chair est encore là. Amen. Si tu veux être libre de la convoitise totalement, c'est la délivrance. Le jour où tu mourras, la mort, la chair va. Mais la pierre dit quoi? La convoitise fait la guerre à quoi? À l'âme, le siège des émotions.
Oh chérie, t'as vu la voiture là? Oh là, j'ai vu la publicité à la télévision. Je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. C'est dit. Alléluia. Donc là, il faut que tu meurs. Tombe dans la convoitise. La dernière station, c'est le verset. Le verset 36. Ils partirent d'Eth-Jean-Guéber et campèrent dans le désert de Tsin. C'est Kadès. Kadès. Oh. Kadès. En fait, vient de Kodesh. Kodesh, c'est consacré. D'accord? Saint. Mes amis, vous avez vu tout ce chemin que Dieu leur a fait faire pour les amener, tout simplement pour les amener à la sanctification, à la consécration. Donc, les souffrances que Dieu nous impose, les difficultés que Dieu nous impose, ont pour raison, n'est-ce pas, la raison principale, que ce ne soit pas bien sûr, mais c'est pour nous amener à la consécration. Dieu nous débarrasse des choses qui nous alourdissent et qui nous empêchent, n'est-ce pas, de vivre une véritable consécration. Dieu ne peut pas se servir de toi si tu n'es pas sanctifié. D'accord? Allons voir cela dans 1 Pierre, chapitre 5. Oh mes amis, vous savez la sanctification c'est quoi? La sanctification, dans le mot Kodesh, vous avez la notion de la séparation. D'accord? On ne peut pas parler de la sanctification sans la séparation. La sanctification implique la séparation. La séparation d'avec le péché, la séparation d'avec les amis qui constituent la mauvaise compagnie, la séparation d'avec les vieilles habitudes, les mauvaises habitudes, la séparation d'avec la convoitise, la séparation d'avec les choses mal acquises, la séparation, mes amis, d'avec le monde. Donc, la sanctification sans la séparation n'est pas sanctification. D'accord? Et dans 1 Pierre chapitre 5, Pierre nous dit au verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. On s'arrête là deux secondes. Donc vous voyez, la souffrance est indispensable à la formation des ministères que nous sommes. La souffrance que Dieu nous impose, bien sûr. Je parle de la souffrance qui est liée à l'appel qu'on a reçu, et non la souffrance qui est une conséquence du péché. Faire la distinction. Si tu pèches, tu souffres parce que tu as péché, non, c'est pas pareil. Ne faut pas dire que Dieu est en train de me former. Si tu souffres alors que tu n'as pas péché, là ça veut dire que Dieu est en train de te faire participer à sa sainteté. Pierre le dit même, hein, mes amis, dans 1 Pierre 4. Réjouissez-vous, verset 13, au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Voyez, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne, en effet, d'entre vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc, vous voyez, le jugement de Dieu, la souffrance dans laquelle tu es, à cause de ta décision de marcher dans la sanctification, cette souffrance-là fait partie du jugement de Dieu sur ta vie. Donc, Dieu te fait participer à sa sainteté. Et c'est pour cela que les nouveaux chrétiens doivent être correctement enseignés par rapport à la souffrance liée à la marche chrétienne.
Sinon, s'ils ne sont pas enseignés, ils vont abandonner la foi. Voilà pourquoi l'ennemi a envoyé des faux pasteurs qui viennent enseigner des hérésies, faisant croire aux chrétiens qu'ils ne vont plus souffrir, qu'ils doivent donner leur vie au Seigneur pour avoir le mariage, l'argent, des emplois. Et ça, c'est un autre évangile, c'est complètement faux. Vous n'avez pas besoin, frère, les païens ont du travail. Et ils n'ont pas Jésus. La plupart de vos employeurs sont païens. Et ils n'ont pas Jésus. Vous voyez, frère? Donc, si l'on vous prêche d'accepter Jésus pour avoir du travail, c'est faux. C'est notre évangile. La souffrance, ici, c'est la croix. La marche chrétienne. Donc, Dieu, après que vous aurez souffert un peu de temps, la première chose qu'il va faire, c'est vous perfectionnera lui-même. Alléluia. Catartizo, qui veut dire réparer. On retrouve ce verbe dans Matthieu 4, 21. Jean et Jacques réparaient leur filet. Donc la souffrance que Dieu nous impose, la seule souffrance a pour but de nous réparer. Tu as besoin d'être réparé. Pourquoi? Parce que tu as reçu une éducation de la part de tes parents qui peut être contraire à l'éducation biblique. Tu as reçu, tu as été formaté par les hommes. Nous avons été formatés par les hommes, frères. Et Dieu, quand on arrive à lui, il nous impose une certaine souffrance dans le seul but de nous réparer en profondeur. Réparer, corriger. Pourquoi? Parce que ton éducation est telle que on t'a inculqué des choses. On t'a communiqué une manière de voir, une manière de t'exprimer, de t'habiller, de parler. D'accord? Et quand tu arrives à Jésus, il va te réparer et il faut l'accepter. Alléluia! Oh oui! Il va changer totalement ta manière de voir la vie. Totalement ta conception de la vie. Il va te réparer. Il va te réparer. C'est catartizo. Qui donne catartismos dans Éphésiens 4, 11. Il établit les uns apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que bien que tu as converti, vous, nouveaux convertis, vous les frères et sœurs, vous qui commencez à prêcher, vous avez besoin des onctions apostoliques, prophétiques, doctorales pour être corrigé, redressé, afin de mieux servir Dieu, frère. Oh oui, ne dites pas non, moi, c'est Dieu qui me parle, Dieu qui vous forme, c'est faux. Dieu peut te former lui-même, oui, mais Dieu passe également par les hommes parce que nous sommes son corps, frère, il ne faut pas l'oublier. Nous avons reçu l'esprit dedans, dans le but de corriger les frères et sœurs, de redresser, de réparer, d'équiper les frères et sœurs. Catartisme, c'est équiper également. Vous voyez les filets de Jean et Jacques, ils étaient abîmés, usés, à force d'être utilisés. Donc nous avons été, vous et moi, utilisés par les démons, par le diable dans le monde. Et maintenant quand on arrive au Seigneur, Dieu se sert maintenant des hommes, qui a établi des femmes, qui a mandaté aussi, et des frères et sœurs, pour nous corriger, pour nous redresser. Parce qu'il attend de nous, il nous attend quelque part. Dieu nous a appelés pour une œuvre. Il ne t'a pas appelé pour que tu chômes. Dans ce royaume, il n'y a pas de chômage. Alléluia. Donc, la souffrance a pour... Il y a au moins 5 raisons ici. Hein. Premièrement, donc, on nous parle du perfectionnement. N'est-ce pas? Catartise, donc ajuster, compléter. D'accord? Tu as besoin d'être ajusté. Apollos, prêcher la parole de Dieu. Mais quand Aquilas et Priscille vont l'écouter, ils vont l'ajuster. Il est devenu un grand apôtre. Ils vont le réparer. Ah non, moi, j'ai reçu mon appel quelque part. Moi, c'est moi, c'est moi. Ok, frère, vas-y. Dieu ne peut pas t'utiliser seul dans ton coin là-bas, enfermé dans un... Non, non, t'es pas Jean-Baptiste. Hein. Alléluia. Mm-hmm. Nous sommes dans un corps. Complété, équipé. Frère,
Et si je parle de ma souffrance, pour que Dieu t'équipe, ça veut dire Dieu doit te faire confiance. Ben oui, frère. Pour que tu reçoives ta propre onction, il faut d'abord qu'il t'éprouve, qu'il te fasse souffrir. Quand on est dans un corps ministériel comme ça, on bénéficie de l'onction qui est là. Mais cela ne veut pas dire que l'onction, c'est à toi. C'est l'erreur que beaucoup commettent. Ah non, parce que l'onction se manifeste ici et là, c'est bon, c'est à moi. Non, tu as payé quel prix? Quel est le prix que tu as payé véritablement, car le Seigneur est, frère, la souffrance là, c'est pour nous équiper, nous tailler en profondeur. Nous. Et la deuxième chose, c'est quoi? Vous affermira. Affermir ici, c'est fixer. D'accord? Fixer. Affermir nous parle de la stabilité. Alléluia. La stabilité, précisément la stabilité morale. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui sont instables. Aujourd'hui, ils sont là. Feu, 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 feu. Il faut que ça continue. Il faut la stabilité. Donc la souffrance t'amène à être stable. Combien de sœurs ne font-elles pas souffrir les frères? Ah oui, c'est vrai, j'ai le sentiment pour toi. Une semaine après, il n'y a plus de sentiment. Combien de frères peuvent pleurer également à cause de certaines de sœurs qui pleurent-elles à cause de certains frères? Ah oui, ma sœur, vraiment, Dieu m'a parlé, c'est toi ma femme. Et le lendemain, non, c'est plus toi, c'est quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de stabilité. Qui a besoin de la stabilité? Alléluia. La troisième chose, c'est quoi? Vous fortifiera. Amen. Fortifier. C'est rendre fort. C'est au niveau de l'âme. Vous fortifiera. Ça, c'est l'intérieur, l'âme. Pourquoi? Parce qu'il y a des émotions. On peut être émotionnel. Hein? On peut donner des réponses émotionnelles aux gens. Oh, oui, je suis d'accord, mais en fait, tu n'es pas d'accord. Et quand tu es tout seul, non, non, c'est pas ça, non. Vrai ou faux? Qui est comme ça? Alléluia! Les émotions, on ne peut pas baser sa foi sur les émotions. Je sens. Oui, c'est bon. Même quand tu as donné les offrandes, quand tu as une belle louange là. Mais quand tu es tout seul, oh le lob, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Les émotions, alléluia! Beaucoup de chrétiens sont dans les émotions. Pierre était comme ça aussi. On n'est pas le seul. Hein? Vous avez vu comment il a souffert? Pierre, regarde Pierre. Pierre mange du pain que le Seigneur avait multiplié, mange du poisson, était tellement dans les émotions. Waouh, waouh, quel miracle! Seigneur, tout le monde peut te lâcher, moi Pierre. Amen. Émotion. Alléluia! Il ne savait pas ce qu'il disait. Le Seigneur dit: je vais mourir. Pierre dit: oh, regardez, émotion. L'émotion de Pierre. Pierre dit: viens voir Jésus. Viens. Il l'appelle en dehors des autres apôtres. Hein? Donc à l'écart, parce qu'il était quand même respectueux. Il appelle à côté du Seigneur. À Dieu ne plaise. Tu ne mourras jamais. Émotion. Vous avez vu les émotions? Les émotions peuvent te faire n'importe quoi. Tu peux te prophétiser sous les, par émotion. Je suis là. Non, Dieu n'est pas là. Émotion. Alléluia. Amen. Il y a une musique qui crée des émotions, qui crée des... Voilà. Alors, Dieu, voyant cela, il doit te travailler. Les sentiments. On est tous comme ça, on est humains. Nous avons été créés pour aimer. Ah oui, frère. Alors, on est souvent émotionnel. Je vais faire ceci, je vais faire cela. On promet tellement de choses. On est dans les émotions. Alors, Dieu doit nous tailler. Et quand il taille comme ça, ça fait mal.
Parce qu'il est en train de te fortifier. De t'affermir. Voilà pourquoi on parle des affermissements. Des enseignements de base. Oh, qu'est-ce que j'ai eu à faire des promesses par rapport. Parce que tu as des émotions. Tu rencontres quelqu'un. Oh là là, je suis là. Oh là là, vraiment, vraiment. Oh, viens, viens, on va marcher ensemble. Est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Et c'est quand ça commence à coincer, Dieu te dit, qui t'a dit de faire cela? Émotion. Qui se reconnaît un peu dans ça? Alors, c'est que vraiment, vous êtes totalement délivré des émotions ici. Donc, c'est une bonne assemblée alors. Alléluia! Et ensuite, vous rendra inébranlable. Donc, il y a le perfectionnement, l'affermissement. Dieu te fortifie et te rend inébranlable, c'est-à-dire fondé. Voilà. Matthieu 7, quelqu'un peut le lire rapidement. 7, 25. Inébranlable. Matthieu 7, 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ok. Alors, dis-toi ceci. Tu ne t'es pas converti pour 5 ans. Avec Dieu, il n'y a pas de contrat à durée déterminée. Tu ne t'es pas converti pour 3 ans. Tu n'as pas répondu à l'appel ministériel pour 10 ans. Ça veut dire que pendant 10 ans, tu vas être à la course. Wow, partout, partout, sur tous les fronts. Depuis 10 ans après, frère, t'es où? Oh là, mais tu sais, moi, mon mari ne veut plus. Oh, ma femme, tu sais, elle ne veut plus, hein, donc je vais un peu mollo. Eh hey! Ah, mais moi, ce sont des affaires, je fais des affaires maintenant. Je dis que le ministère, je fais des affaires. Oh, oh! Alléluia! On dit le frère, mais t'es où? Oh non, mais à l'époque, Dieu. À l'époque, on était comme vous, on était. Mais avec le temps, il y a la sagesse. Non, c'est pas la sagesse. Quelque part, là, les torrents ont eu raison sur toi. Inébranlable. Donc, les épreuves nous perfectionnent. Frère, quand je me mets à réfléchir sur les erreurs que j'ai pu commettre quand j'ai commencé le ministère, je me dis, waouh, Seigneur, mais c'est pas possible, j'étais loin quand même. Je dis, waouh! Je dis, là, oulala! Alors, je comprends pourquoi tu as permis telle épreuve. Vous savez, l'homme apprend, ne peut véritablement apprendre que dans la souffrance. Quand tout va bien, tu penses à Dieu. Regardez les païens. Quand tout va bien, tout le monde est heureux, tout le monde est la joie. Quand ils prennent l'avion, il y a des turbulences. Mon Dieu! Vrai ou faux? Si nous sommes honnêtes, nous reconnaîtrons que la plupart d'entre nous nous sommes convertis parce qu'un jour on a été coincé un peu. Il y en a, c'est la maladie, d'autres, c'est la dépression. C'est parce qu'ils ont perdu un parent. Alors ils sont retrouvés, on s'est retrouvé dans une situation tellement délicate que l'on se disait, bon, j'ai essayé les psychologues, ça n'a pas marché. J'ai essayé les psychiatres, ça n'a pas marché. Mon père n'a pas pu m'aider, ma mère non plus. J'ai tout essayé, j'ai pris des médicaments, j'ai pris tout ce que tu veux. J'ai vu beaucoup de professeurs, des grands professeurs. Il n'y a rien à faire. Avec le dernier recours a toujours été Dieu. Parce qu'il est l'oméga. L'alpha et l'oméga. Et c'est là que quelqu'un vient te voir pour dire, tu sais, Jésus, tu peux toujours essayer. Et ça a toujours marché. Vrai ou faux? C'est là qu'on apprend. Frère, si tu gagnes l'auto, si tu joues l'auto, là, même si c'est pas bien. Si tu gagnes 3 milliards, là, je t'assure, demain, on ne va pas te voir. Vous êtes d'accord ou pas? Tu vas faire quoi? On va t'appeler frère Alexis, t'es où? Approche-toi, je suis un peu. Je suis aux États-Unis, tout ça, j'ai un contrat signé. Ok. Mais t'es où frère? Non,
j'ai un rendez-vous avec le banquier. Voilà pourquoi Dieu dit la manne, chaque jour la manne. Parce que chaque jour tu vas être là, papa me voici. Vrai ou faux? L'homme. Tu vas souffrir. Tu vas pleurer. Ne m'appelle pas pour que je te sorte de là. Au contraire, si tu m'appelles, je te dirai alléluia, gloire à Dieu, bienvenue. Donc, sois fortifié, mon frère, ma soeur. C'est bien pour ta formation. Un jour, quelqu'un vient me voir. Frère Chora, je suis malade. Je suis condamné par la médecine. Ah, maintenant, tu sais que Dieu peut guérir. Hein? Un pasteur à Paris, ici. Je le connais personnellement. Un homme que Dieu utilisait puissamment, un prophète. Il a commencé, à cause de l'onction que le Seigneur avait mis sur sa vie, il a commencé à courtiser toutes les filles de l'assemblée. Il est sorti avec plusieurs d'entre elles. Et ensuite, c'est un pasteur qui est dans Paris. Ensuite, il était tout le temps en mission, ici et là, il était vraiment, waouh. Un jour, il se sentait mal. Il avait des douleurs abdominales. Donc il part à l'hôpital, aux urgences, on va l'hospitaliser. Et le médecin constate que tout son intérieur était malade, tout avait pourri. Tout était complètement pourri. Et puis on lui dit, là vous êtes en train de mourir, fini, il n'y a plus rien à faire. Tous les organes, tout ça, tous les organes vitaux, tout est malade, tout est pourri, tout est... Waouh. Et en quelques secondes, quelques minutes seulement, il est rentré dans un coma profond. Et c'est là que Jésus va lui apparaître. Il lui dira, tu vois, ça fait des années que j'essaie de te dire, arrête-toi. Ça fait des années que je te parle par mes enfants, par mes serviteurs, mes servantes, pour que tu t'arrêtes, pour que tu fasses une pause, que tu viennes me voir. Non, tu ne voulais pas. Là, je t'accorde une seconde grâce. Tu mourrais pour aller en enfer. Tu vas repartir sur terre et tu vas faire une vidéo, tu vas confesser publiquement tout le péché, tout ce que tu as fait avec toutes ces filles. Ensuite, tu vas interpeller les autres pasteurs que tu connais, avec qui tu collabores dans Paris, et qui sont dans les mêmes pratiques que toi. Il a fait une vidéo, il a confessé. Mais malheureusement, j'ai eu encore une sœur qui prie, qui est venue me voir au bureau la dernière fois, qui prie là-bas. Elle me dit non, il n'y a plus rien. Dieu n'est pas notre copain. J'ai toujours dit aux jeunes, ici chez nous d'abord, les prédicateurs, mes amis, Dieu n'est pas notre copain. Non. Beaucoup ont cru que l'onction c'était Dieu, que Dieu était l'onction. Ils ont pris l'onction, ils n'étaient plus à l'écoute de Dieu. Plus d'arrêt. Frère, s'il y a une chose que j'ai compris dans le ministère, c'est que le chemin est tellement long. Ça ne va pas prendre cette marche pour finir. La tribu de Ruben, les Rubénites, la tribu de Gad, et la demi-tribu de Manassé. Quand ils sont arrivés, n'est-ce pas, au Jourdain, ils ont dit alors qu'il fallait qu'ils traversent ce fleuve pour aller à Canaan, prendre leur héritage. Ils disent à Moïse, nous avons beaucoup de troupeaux. Et nous trouvons que le pays de Dipron, Jaïr, tous ces pays, toutes ces villes sont... Toutes ces villes sont vraiment appropriées. Nous allons construire un peu pour nos bêtes, nous allons construire des parcs pour nos animaux. Laisse-nous prendre notre héritage ici. Nous n'allons pas prendre, n'est-ce pas, notre héritage de l'autre côté du fleuve. Nous allons rester ici. Eh bien, c'est ce qui se passe dans la marche chrétienne avec beaucoup de chrétiens, malheureusement, avec beaucoup de ministères. Ils convoient tellement le monde qu'ils vont s'inquiéter plus pour leurs troupeaux que pour leurs propres âmes, plus pour leur ministère que pour leur âme.
Ils vont plus se prendre la tête. Quel est mon ministère? Quel est mon ministère? Dans quel ministère je suis? Mais frère, Dieu n'est pas ministère. Pourquoi te prends-tu la tête par rapport à ton ministère au lieu de te préoccuper parfois de ta relation avec Dieu? Ta relation. Est-ce que j'arriverai jusqu'au bout? Ceux qui tombent, est-ce que je suis mieux qu'eux? Ceux qui sont tombés, tiendrai-je jusqu'au bout? Dans ma marche? Parce que dans ce chemin, dans cette marche, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de trahisons. Des gens que tu as nourris qui vont prendre des couteaux pour te poignarder. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'embûches, beaucoup de pièges. J'ai vu des frères avec qui on a collaboré. On a commencé des assemblées. On a implanté des assemblées. On leur a confié la gestion des assemblées, même des maisons. Ils se sont accaparés des églises de maisons. Ils nous ont chassés. Voilà la marche chrétienne. Non, c'est nous maintenant, on est là. Plus avec eux. On est là, mais voyez comment ça se passe. La marche chrétienne, frère. Le chemin, hein, si tu n'es pas préparé, le Seigneur a dit dans 1 Pierre 4:1, Père dit, comme Christ a souffert, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Jésus est en train de revenir. Dans quelle position va-t-il te trouver? Laisse-moi te dire. Ta vie terrestre est tellement éphémère. Cette vie, elle est courte. Elle paraît aussi bien longue, hein, que courte. Mais si Jésus revenait là, où irais-tu? Si tu mourais dans un accident de voiture, où irais-tu? Où iras-tu? Alors il ne faut plus la prendre à la légère. Ne laisse personne te sortir de la pensée de Dieu. Même si c'est ta femme, la femme de Job a dit, maudit Dieu et meurt. Job dit, tu es, tu parles comme une femme insensée. Avant ton mariage, tu aimais le Seigneur, tu le servais. Mais dans le mariage, tu changes. Quand les enfants viennent, tu changes. Ah non Seigneur, je ne peux plus parce que les enfants sont là. Frère. Oh, à cause de mes troupeaux, je ne peux plus aller au-delà. Mes amis, Dieu est en train de revenir. Et je vous assure que les vrais chrétiens souffriront de plus en plus, pleureront de plus en plus, seront de plus éprouvés. De plus en plus, Dieu va imposer la solitude à beaucoup de ses serviteurs, ses servantes. Il y aura de plus en plus un acharnement incroyable de Lucifer. De démons, de satanistes, de magiciens, de religieux, de païens, contre les véritables chrétiens. Et Dieu permet cette souffrance pour te faire grandir dans la foi. Pour que tu te bases sur lui et que tu grandisses dans ta relation avec lui. Et ceux qui n'ont pas une véritable intimité avec le Seigneur ne tiendront pas, frère. Ils vont baisser la garde, ils vont tomber, ils vont flécher les genoux devant Baal, ils vont repartir le monde dans les choses qu'ils ont vomies. Mais Dieu s'est préparé un reste. Dieu s'est réservé un reste qui, malgré les épreuves, dira ce reste, dira au Seigneur, comme Pierre l'a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te scindera et te menera, te conduira où tu ne voudras pas. Tous yo fesse. Tous yo fesse. Father, we love you. To know your love.
Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Tu sais,